cry upon the ground. A simple price I pay for all the love I feel when I'm okay. I know it's hard to see me down. I cry and cry upon the ground. A simple price I pay for all the love I feel. Rencontre très prometteuse hein, aujourd'hui. On ne devrait pas être déçu. On marque une petite pause et on revient tout de suite sur EA Sports. Bonjour à vous qui nous rejoignez pour ce match de reprise de championnat. On va suivre ça avec beaucoup d'intérêt, Pierre. Bien sûr, Hervé, on va pouvoir situer l'état de forme des joueurs. Énorme pression sur les épaules des joueurs avec ce duel entre le premier et le quatrième. Et à la fin de ce match, le classement sera certainement riche en informations. Un petit pronostic peut-être, Pierre ? Je l'attendais, celle-là. Bah, pour moi, ça ne joue pas grand-chose. Les deux formations sont du même niveau. Ça peut jouer sur un coup de pied arrêté, cette affaire. Hein. Comme ça, tu vois, je ne me mouille pas trop. Voici la composition de l'équipe à domicile. Tactiquement, l'entraîneur a choisi un 4-5-1 pour cette rencontre. Et on mise visiblement sur un gros maillage du milieu de terrain pour canaliser les offensives de l'adversaire. La composition de l'équipe visiteuse à présent. Et l'entraîneur a demandé à ses joueurs de se positionner en 3-5-2. Ouais, c'est bien pour créer le surnombre au milieu. Mais bon, moi, le problème avec le 3-5-2, c'est que soit on défend à 3, soit on défend à 5. Je trouve toujours ça un peu bâtard. Une formation qui, on s'en souvient, reste sur un succès à domicile. Ouais, une victoire sur le score de 1-0. Je ne sais pas comment ils peuvent rééditer ce résultat. Je serais plus prudent en tablant sur un nul. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Ouais, avec un public qui a répondu présent. Martos. Le soleil. Rafael Guerreiro, Christian Benavente. Le ballon est perdu pour tout le monde là. Gertens. Ah, il se repasse le ballon, ça fonctionne bien. Ouais, attention là, il s'échappe en solitaire. Christian Benavente. Allez, peut-être une bonne touche là. Rafael Guerreiro. Ouais, il s'est pas embêté avec la relance. Hein. Boum. Nolej Musona. Allez, il n'y a personne, il peut prendre l'espace. Martos. Christian Benavente. Ah, c'est une perte de balle. Ouais, ça part très loin avec ce dégagement. Il perd le ballon. Gerkens. Andinahar. Ils enchaînent les passes. Le décalage qui... Et la voilà la frappe. Le gardien qui répond au présent hein, sur cette action. Non, 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 le drapeau s'est levé, ça va être un hors-jeu.
L'adversaire qui hérite de ce ballon. Nolej Musona. Andy Nahar. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Avec un tir. C'est sans problème pour le gardien. Gerkens. Elle était bien placée pour intercepter cette passe. Nolej Musona. Allez, dans le couloir. Le ballon qui revient dans l'axe. Benavente. Le ballon sort en corner. Frappé ce corner au niveau du point de pénalty et on a dégagé pour écarter le danger. La passe est interceptée. Adrien Trebel. Il s'avance vers la surface. Oui, la frappe. Oh, il a failli la mettre au fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté. Et comme ça passe pas loin, ça peut l'inciter à recommencer. Rafael Guerrero. Adrien Trebel. Notez que le ballon risque de fuser un petit peu parce que la pelouse est détrempée. Hein. Allez, attention sur les prises d'appui aussi. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Attention à la frappe. Et voilà, il est l'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Mais il va falloir voir comment tout ça va être géré maintenant. On va être vite fixé, Pierre. Un ballon très précis qui passe juste sous la barre. Très difficile à arrêter pour un gardien. Voilà, le score qui est donc ouvert, 1-0. Adrien Trebel. Gerkens. Morioka. Andy Nahar. Il y va tout seul, il prend sa chance. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon-là, c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face. Et le tireur qui a visé à la zone du point de pénalité. Ouais, la tentative, mal exploité hein, ce corner. Ils auraient pu créer plus de danger dans la surface, c'est sûr. Le soleil. Ils construisent patiemment, ils attendent l'ouverture. Un bon ballon qui va peut-être trouver preneur. Un ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Christian Benavente. Excellente intervention du défenseur là. Adrien Trebel.
Ah ben c'est un adversaire qui récupère cette passe. Le quatrième arbitre. Ah oui, il cherche un partenaire dans la profondeur. Et l'action qui s'arrête déjà. Ah, le tacle, superbe geste. Ouais, pas de prise de risque, ballon dégagé. La touche à proximité de la surface. Massimo Bruno. Le dégagement pour éloigner le danger. On retiendra donc de cette première période qu'on a vu un but, 1-0 à la mi-temps. Bonne prestation de ce joueur dans cette première période, Pierre, non ? C'est grâce à lui si son équipe est devant à la pause avec ce but marqué juste avant la mi-temps. Alors que l'arbitre donne à l'instant même le coup d'envoi de cette rencontre. Oui, avec un public qui a répondu présent. Le ballon qui revient dans l'axe. Benavente. Le ballon sort en corner. Il s'avance vers la surface. Oui, la frappe. Oh, il a failli la mettre au fond alors qu'il se trouvait dans un angle impossible. Il n'a pas choisi la facilité, mais bon, il a tenté. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire qui récupère. Attention à la frappe. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Il y va tout seul. Il prend sa chance. Ouais, la bonne intervention du gardien qui sauve son équipe sur cette occasion. Oui, ce ballon-là, c'est vraiment le gardien qui sort parce que c'était plutôt bien joué en face. Ah, la pluie qui avait accompagné les joueurs durant toute la première période et qui devrait continuer de s'abattre sur eux durant la seconde. Ouais, a priori, c'est mal parti pour que ça s'arrange. Le ballon qui change de camp. Nolaïd Moussona. Gerkens. Et ce ballon est intercepté. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Verbe. Ouais, très bien contrôlé, ça. Oh oui, encore une bonne passe. Ah, la passe n'arrivera pas à destination. De Jäger. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Il s'est traversé partenaire. Ah, c'était dangereux. Oh, le vilain tacle. Oh, l'arbitre va sévir, à mon avis. Ah, c'est le jeune. Je suis assez vert, ce carton. Hein. On revoit le joueur se jeter sur ce ballon. Et la faute, bien sûr. Ah, mauvais tacle. Hein. Il est en retard. Il commet la faute. Remplacement qui s'impose. Oui, bah, à moins d'évoluer en infériorité numérique, l'entraîneur il n'a pas trop le choix. Et même s'il n'est pas super bien placé, ce coup franc, il faut qu'il arrive à mettre ce ballon dans la surface. Il
les supporters qui ont fait le déplacement, qui sentent que la situation est un petit peu en train d'échapper à leur équipe. Le score n'est pas favorable. Le match qui est depuis. Oh là là, complètement manqué ce coup franc, n'importe quoi. Il n'y a pas beaucoup de conviction dans cette frappe. Hein. Le ralenti de la faute. Ouais, on va revoir si l'arbitre a eu raison de mettre un jaune là-dessus. Interception. On s'approche du but. Il y va tout seul. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe magnifique! Il ne s'est pas posé de complications là. Grosse frappasse. Ça marche aussi. Il avait une petite ouverture, il a choisi de frapper de loin, ça lui a souri. Dès le départ du ballon, on a senti que ce ballon avait un bon avenir. Ça fait 2-0, il domine les débats. Hein. Bonne récupération milieu de terrain. Perbé. Elle, la voilà la frappe. Et le but. Et oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. Joli coup de billard hein, sur ce but. Oui, le ballon qui vient heurter le poteau avant de rentrer. Le gardien est battu. Le but sous un autre angle. L'entraîneur qui boit du petit lait en ce moment. Il y a des matchs comme ça où tout semble vous réussir. Il semble prendre un avantage quasi décisif. Adrien Trebel. L'entraîneur qui a demandé un remplacement. Le joueur est à côté de l'arbitre assistant. Il est prêt à rentrer au prochain arrêt de jeu. Il va y avoir un remplacement côté Anderlecht. On va voir si ça change quelque chose à l'issue du match. Bruno. Rafael Guerrero. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Avec un tir. Ouais, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. C'est son deuxième but impersonnel aujourd'hui. Je vous laisse apprécier ce but comme il se doit. Et alors plutôt content l'entraîneur du match qu'est en train de faire son équipe. Il est bien parti pour gagner et avec la manière en plus. Ah, clairement, ce match tourne à leur avantage. Ah, la bonne qualité de ses passes. Adrien Trebel.
Oh, l'interception, il a tout anticipé. Et il dégage. Allez, il a du champ. Il est un petit peu cerné là. C'est dans le paquet. Ce centre qui ne donne rien finalement. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Il s'est entrevers ses partenaires. On a bien donné ce ballon, mais le danger est écarté. Allez, ils vont jouer à la touche. Raphaël Guerreiro. Ouais, la frappe. Ouais, bon arrêt du gardien sur cette action. Oh, c'est bien donné en profondeur. Il est là pour récupérer ce ballon. Peut-être. Oh là, c'est un petit peu la passe à 10 hein, en ce moment. Ouais, on sent les joueurs bien en place, le porteur. Il choisit la frappe. Le défenseur qui contre ce ballon. Ça a été touché hein, par le défenseur avant de sortir. Ce sera donc un corner. On a bien frappé ce corner au niveau du point de pénalty. Le ballon qui est dégagé, ce sera un corner. Voilà un joueur que l'on voit décidément beaucoup dans ce match. Il faut qu'il se calme, il est en train de nous traumatiser le gardien adverse. Là. Déjà qu'il est allé chercher plusieurs fois le ballon au fond de ses filets. Dans l'ensemble, il cadre fort. Le corner de Guerreiro, jolie trajectoire. Ça sera nouveau en corner. Il va y avoir un remplacement côté Anderlecht. Un changement qui va peut-être obliger l'autre équipe à s'adapter aussi, on va voir. Ouais, bon corner de Guerreiro. Le danger qui s'éloigne, c'était pourtant bien donné. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Il reste 6 minutes à jouer. Andy Nahar. Ogden Vranjet. Kenneth Seif. La passe est mal assurée, c'est une interception. C'est récupéré. Non, ça ne passe pas, l'attaque est stoppée. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Et le gardien, oui, qui dévie ce ballon en corner. Le gardien qui s'interpose sur cette frappe lointaine. Elle n'était pas facile à capter cette balle. Le gardien était bien attentif. Le corner de Guerreiro, jolie trajectoire. Ouais, une fois de plus, ça n'ira pas plus loin. Martos. Alors que 4 minutes ont été ajoutées au temps réglementaire. Avec un tir. Oh, le poteau, le ballon qui revient en jeu. Ouais, la meilleure solution, c'était de dégager. Il a eu raison. Il avait fait ce qu'il fallait. Malheureusement pour lui, le cadre a repoussé le ballon sur cette action. Oh, la bonne inspiration sur cette passe.
Allez, dans la boîte, il y a du monde. Il ne trouve personne sur ce centre. Il prend sa chance. La dernière minute avant le... L'arbitre vient de consulter son chronomètre et siffle à l'instant la fin de ce match. L'entraîneur avait insisté sur l'importance de cette première rencontre de la saison. Il va être content. Il a maîtrisé son match de bout en bout. Très grosse satisfaction pour lui. En plus, il y a la victoire au bout. Très bon match pour lui avec un doublé. En plus, c'est toute l'équipe qui hausse son niveau de jeu quand il enjambe comme ça. Donc, il peut rentrer à la maison avec le sentiment du devoir accompli et du travail bien fait dans l'intérêt collectif. Non, non, on a compris l'intention, mais c'est un adversaire hein, qui récupère. Attention à la frappe. Et voilà, il y est. L'ouverture du score dans cette rencontre. Et ça, c'est un but qui va tout changer. On attend forcément une réaction du côté d'en face. Il centre vers ses partenaires. Ah, c'était dangereux. Oh, le vilain tacle. Où l'arbitre va sévir, à mon avis. On s'approche du but. Il y va tout seul. Oh, quelle frappe! Oh, quelle frappe magnifique! Perbé. Elle, la voilà, la frappe. Et le but! Eh oui, ça a touché le poteau. Et c'est rentré. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps avec un tir. Oh, tout en finesse, c'est parfait. Quelle preuve de sang-froid. Le corner de Guerrero, jolie trajectoire. Ça sort à nouveau en corner. Une frappe lointaine, on ne sait jamais. Et le gardien, oui, qui dévie ce ballon en corner.